Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour tous les auditeurs et auditrices qui branchent chaîne Parler Haïti, la voix du peuple. Et salutations par nous spéciales, qui papa, bon Dieu, bénis nous tous. Nous saluons les fanatiques internationaux là, si là, qui sont dans le pays d'Haïti, qui branchent Parler Haïti. Et merci avec tous les amis qui t'ont demandé pour nous passer déclaration et discours, secrétaire général des Nations Unies, qui c'est Antonio Guterres, dans quatre visites dans le pays d'Haïti, et hier qui était samedi 1er juillet 2023. Voilà, moi, j'ai déclaration là, m'bral fort en d'elle. Eh bien, côté Antonio Guterres, eh bien, il fait appel avec la communauté internationale là pour voir une force l'armée internationale dans le pays d'Haïti, une force étrangère pour débarquer dans le pays. Il dit c'est celle ça qui est capable d'aider Haïti à sortir d'un côté là, c'est déplacer une force internationale pour débarquer en Haïti pour venir résoudre le problème de sécurité. Alors, il faut entendre le discours Antonio Guterres, côté il t'a parlé, madame, mais c'est dans le cadre de visiter dans le pays d'Haïti. Ici là. Moi, je viens porter un petit message pour nous, Nations Unies, camper avec vous. Ma visite de solidarité. Et une visite que je fais en toute humilité comme secrétaire général des Nations Unies face à la souffrance du peuple haïtien. Ma solidarité va au peuple haïtien, qui fait face à un terrible cycle de crises sécuritaires, politiques et humanitaires qui s'exacerbent mutuellement. La violence brutale des gangs touche chaque aspect de la vie publique et privée du pays. Port-au-Prince est encerclé par des gangs armés qui bloquent les principales routes menant aux départements du Nord et du Sud, contrôlent l'accès à l'eau et à la nourriture et aux soins de santé. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations par ces gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences sexuelles généralisées utilisées par les gangs armés comme une arme pour installer la peur. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, état de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, que ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne, également connu sous le nom de panier de financement. Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. J'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti ou d'affaiblir notre solidarité envers son peuple. Mesdames et messieurs, près de 2 ans se sont écoulés depuis l'assassinat du président Moïse. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice. Et Haïti doit revenir à l'ordre démocratique dès que possible. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition
la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers inter-haïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la Transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien avec une pleine participation des femmes et des jeunes permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. L'ABINU ainsi que tout le système des Nations Unies soutiennent ces efforts et continueront à œuvrer pour la protection des droits humains et l'établissement d'un environnement pacifique et stable. Sur le plan humanitaire, les besoins continuent d'augmenter, mais le soutien international n'est, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables. J'ai écouté leur appel à l'aide et leur appel à la sécurité et à l'engagement de la communauté internationale pour appuyer la police nationale en matière de sécurité. Une personne sourde en Haïti vit dans une extrême pauvreté et est confrontée à la faim n'ayant pas accès régulier à l'eau potable. Notre plan d'intervention humanitaire, qui prévoit 720 millions de dollars pour venir en aide à plus de 3 millions de personnes, n'est financé qu'à 23%. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le besoin. C'est une question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice morale. Le peuple haïtien a le droit à cette solidarité. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Et je voudrais également saluer le courage et le dévouement des travailleurs humanitaires qui œuvrent dans des conditions souvent difficiles. Les attaques à leur encontre doivent cesser immédiatement. Je demande aux parties prenantes de veiller au respect des droits humains et du droit international et de garantir un accès Valé Haïti, bonjour, bon dimanche, bon travail. Mon cher, nous connaissons bien l'occupé. Bien l'occupé là, donc, puisque vous connaissez l'eau, ouais, saison d'été comme ça, c'est là, souvent, on sait de travail pour faire la caillou. Vous obligez à profiter l'occasion et temps tout pour que vous fassiez. Avec ça, ça permet que vous avez des difficultés, tant faire des faux, vous comprenez. Mon cher, jeudi dimanche là, après que, avant que moi-même te lever pour me faire ça, je me fais, puis je dois essayer. Tant de radio, alors, pour me toujours informer de ce qui a passé, eh bien bon, drôle coïncidence. Moi, j'ai ouvert la télévision, moi, c'est sous Mdombe. Vous voyez, je suis obligé d'ouvrir ça, l'information que vous avez, pour que pour me bagaille, mon chéri, je me bagaille les deux, sans me gâter. Ouais, sans me gâter. C'est ça qui fait que je suis obligé de faire voir ça, je me dis avant que je m'allais faire ça, je me fais. Là, c'est m'gaba gagné temps pour la journée, hein, presque. Mon cher, moi salue vous. Moi salue toute équipe, assistance technique, qui sous console là, qui a pour rendre l'émission possible.
Je salue tous les messieurs là, je dis au bon dimanche. Que bon Dieu protège, bon Dieu avec vous. Mon cher, je continue toujours, je salue l'autre média en ligne. Yo. Puisque je ne suis pas découragé dans le travail que j'ai fait. Yo. Pas découragé. Puisque lui mettent, dans les grands mondes, ils ont mettent en prison pour un an, un jour. Mais bon, je vais la guerre. Et Haïti n'a pas sage. Mais on joue la libéré quand même. Parce que. Quand on entend toujours dire une parole, il y a deux bouches coupées. C'est pour manger le coupé. Il n'est pas coupé pour être, pour que c'est des mal soins, des malfrats qui comprennent qu'ils sont capables de décider pour vous. Donc, on connaît que. Fait pas ici d'après l'histoire et que ça a été fait dans l'histoire et que je dis en là pour qu'il t'en sait de mon a bêtisé avec yo, et bien mon cher c'est grave, mais ça triste pour nouvelle ma pour tendre la matière que au bail de monsieur que l'antonio goûter ça a bien voulu. Parce que moi-même, toujours dit au monde ça, dit diable bonjour, la bonjour, ou pas dit bonjour, la bonjour. Donc moi-même, je n'ai pas rien encore. Déjà, je suis pas jamais riche dans la vie. Moi. Bon, moi-même, je trouve son insulte pour moi. Ou aller quand même pour que, dans l'âge que je quitte Haïti, est-ce que vous comprenez, chaque année, bon, je suis venu à l'année, passé tellement vite qu'on y a. Chaque année passé son âge qui rentre dans tête. Donc il n'y a pas de bêtises, pas de play game dans bagaille encore. Voilà. Parce que la patrie est en danger. Mon cher, continue pour me saluer les médias en ligne. Qui font un travail en particulier. Et que je dis monsieur. Honneur et respect pour le travail qu'il a fait. Parce que les gens ont vraiment vrai bagaille, mais c'est chance. Nous pas gagné. C'est une série de contacts qui pas gagné dans le pays d'Haïti avec des gens. Parce qu'on y a là, société haïtienne que nous venons gagner, sont des bagailles qui sont extrêmement différents que ça que tu as gagné avant. Yo. Puisque pour ça m'a gardé là, pour ça m'a tendé là, matin, sous chaîne Palais Haïti, mon cher. Si c'est qu'on s'appelle après aller, pas d'espoir. Et que moi, pour continuer, je salue le préfet à la France, qui toujours, enfin, positionné lui. Sous crise Haïti et sous crise haïtienne, hein? Et que, qui toujours conditionnel avec force contre criminel Ariel Henry, contre voler ça, contre assassin ça. Mais son équipage monde vraiment vrai, quand les gens préfèrent dire, parce que si son maman qui te fait monsieur, c'est pas ton maman cochon qui habille en noir qui te fait monsieur. Eh bien, mon cher, il faut monsieur taguer un orgueil. Parce que je me dis autant de dos. Orgueil, c'est ça qui représente la figure au monde. Mais monsieur, ça va être orgueil. Je me suis dit, j'ai fait maman, je me dit, monsieur, ça, c'est machin de planche qui est lié. Son nec qui bat bien parent qui te levé. Alors, son monde, je me suis dit, je me dit, monsieur, ça va être. Puis il n'y a pas d'éducation, son machin de prostitution est sous portail et organe. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de parents qui ont levé le débat d'éducation familiale. Parce que si Ariel, ça, tu as des parents qui ont levé le débat d'éducation familiale, eh bien, monsieur, tu as connu
pays d'Haïti que l'a fait genre de combinaison ça souli que puis devant ba yo ka fatal pour lui. Bon. Comme étant donné yem d'ap tan non bagaille de l'argent la boue mandé. Pour qui ça nous penser Michel boue l'argent, mandé l'argent. Bon pas au niveau nek ki ba konn honte parce que l'a mandé au monde moun nan manque au dégâts. Ou supposé ou même chercher gain pour compte pas pour pas mander l'encore. Bon ouais, on continue à mander comme c'est travail ça. L'argent c'est pour le bail sans avis. Vieux police mascarade ouais qui semble caca cochon yo. Cap balle sécurité oui. Comme ça me connaît pour le bail pour le kakembe pouvoir. Même m'a regardé moi ça haïtien, ça peuple haïtien qui vit en Haïti a dit parce que malgré des conseils salutaires que nous bail à travers des voix que nous fait, eh bien, Yoshita y a prononcé, eh bien, pita pitris pour yo. Parce que nous-mêmes, côté nous, c'est vrai, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais cependant, nous avons des conseils. Nous avons des opinions. Mais ça, vous l'attendez, vous attendez en Haïti, parce que comme étant donné, pour Haïtiens, la plupart de eux-mêmes, ils prennent partie pour le luxe. C'est pour ça qu'ils ont prononcé avec le pays. Yo pa ka fouti ba Ariel ça le mérité non de elle. Comprendre yo pense que bon. On me fin saluer moun moi yo avant me parler. Moi continue me saluer et préfère avec toute famille li ka vive en France et que me connais un moment vraiment vrai. Son moment idéal pour nous pour que nous-mêmes qui vivons dehors, nous connaissons ce qui s'est passé, mais les gens qui sont à l'intérieur du pays d'Haïti ne connaissent pas ce qui s'est passé. Pour eux-mêmes, ils pensent que c'est la vie à rose. Eh bien, ce n'est pas ça lié. Alors, je préfère continuer bon travail. Félicitations, tout, parce que moi-même, je suis ça me camper avec toute décision. Ouais, parce que les gens qui sont nerveux, ils connaissent ce qui s'est passé. Ou 6 ans, monsieur, comme ça, je me sentis côté, je me sentis frustration. Mais c'est la raison pour laquelle que vous êtes obligé d'employer des mots malsains contre une vagabond sale. Ça, mon cher, moi-même, toujours prendre le soin pour me tendre. Voilà, mon cher, bon courage, bon travail. Continuez pour me saluer, monsieur Figaro. Qui toujours des révélations très fidèles que toujours porté. Eh bien, monsieur Figaro, bon travail, comprendre qu'elle est là. Qu'elle est là, en attendant, parce qu'on le faut que, si que nous ne sommes pas morts, il faut que le pays a un chemin de délivrance. Continuez, je dis à la, me prendre bonheur. Continuez, me saluer. C'est Rita, je salue Servili et je salue M. Prière. Les personnages, ce sont des gens qui, spécialement, ont toujours réservé des salutations. Parfaites à eux-mêmes, parce que ça fait ça. Depuis mon rentrée, c'est dans la prière que vous rentrez. Et que je connais, vous sentez que vous avez que vous sentez que. Bon grâce que mon Dieu gagne pour le faire. Et tout, il faut prier et exaucer. Mes amis qui sont là, nous ne pouvons pas finir de décourager net, non, mais regardez l'air, on sentit, regardez non, son sang qui a poulé dans le vin, non, c'est vrai, mais on sentit réellement gros bagaille qui pas fort plaisir. Eh bien, bon, nous connaissons. Un jour comme ça, nous va, nous peut-être nous pas regrette de temps nous te sacrifier nous que pour nous te la prière que be chaîne prière non Jean pour nous que be lia. Continuez me saluer auditeurs auditrices, captant de radio, captant de diverses opinions. Bon. Et je parle presque avec tout
haïtien en général des situations pays d'Haïti. Son magay qui fait moun mal en pile l'on gade pour monsieur sacré les Antonio Guterres hein? Kounya la la mariage trop belle l'entre Haïti la soutenir volé par elle. Que la riel. Moi riel que pendant PDG a montré sur écran alors vive figure l'autre bord alors a bail sans avis par elle. Non mais monsieur sacré les Antonio Guterres là monsieur pas gagné dans figure. Bon, haïtien parle les persona non grata dans des monsieur. Parce que sinon pas monsieur sont délinquant que lié. Pour moun rentrer bon ça le monsieur a manqué moun dégâts c'est avec humiliation pour nous rentrer dans pays ou quitter pays parle pour un criminel qu'on ça cap finir avec mon pays et puis pour venir parler parole c'est dans 3 ans quoi pour ta faire. Bon, alors si pays a c'est pour monsieur lié, c'est pour venir passer l'ordre dans 3 ans quoi pour faire élection. Et puis nous pas entrer dans maman monsieur toute longueur parce que me pas comprendre haïtien encore du tout c'est ça que fait me dire il y a pas cette figure blanc peut-être qui ça yo comprendre que parti a son luxe li. Non il pas un luxe parce que l'or dehors mon cher gueule ou comprendre ou gain droit pas tourner encore en Haïti premièrement et stress a fini touyer ou toutes sortes de problèmes ou gain c'est ça que fait les consorts fait toute qualité maladie, ou fait froid, ou fait zizi, ou fait toute qualité maladie que ou pas de con et gagne. Ça gagne, on serait des sans avis cap fin dans un pays, mettre ensemble avec haïtien dans un pays à cap. Mais pour m'a regarder, c'est par exemple pas quelque parti politique ça, on de temps en temps réuni pour que yo si t'a parlé, pas quelque quedec. Bon, yo tout ces mêmes bagages là parce que si nous chita dans grain genou là, ouais c'est pas rien que sérieux n'a bien fait. Parce que si nous chita là dans yeux nous là, pour aller la déchirer un pays, la craser pays là, l'en fini nous de temps en temps. Nous yo voyez on associé yo, associé méchant yo caca clairé pareil yo à entrer dans pays là, qui ça a bien fait entrer en catimimi pour bien soutenir Ariel, a bien dire parole électeur. Il était flanqué Ariel mandat dans pays là. Mais nous va pas dire monde fout yo dehors quand et préfère dire la France dans pays hein. Par contre pour qui ça n'a fait parce que c'est pour nous le pas bon. Pays est pour nous, il pas pour Antonio Guterres salté hein, parce que monsieur sont depuis sous non ou sont espagnols que lié. Il supposé à passer l'autre dans pays espagnol yo. Mais c'est pas en Haïti pour venir passer l'autre pour la vin ba. Mais mandé quand le PDG a dit pour haïtien prendre destin en main. Puisque c'est comme ça, nous supposons bail international en défi. Défi pour nous Mali, c'est lâcher Ariel Henry. Couper tête, ni mettre le sous ventre, ni même avec tout sans avis, sans y croire par elle. Cap final pays. Parce que si ce n'est pas ça, nous faisons, nous n'attendons ces gens pour nous délibérer, nous arrivons dans le côté au palais, parce que tout ça fait, ce n'est pas bon pour nous. C'est pas pour nous, il y a fait qui est bon pour nous. Donc moi-même pas qu'à comprendre qui a ici fait rester pour nous quitter une classe mon a fini en pays hein une classe et mon c'est frère au fait au moment tout chaque pas bagaille et qui pas bon dans pays c'est lui il prend il a soutenu par contre si son façon il a fait au moment pour que nous même pour nous en faire pour finir avec nous debout. Mais c'est grave. C'est grave. Les gens entrent carrément qu'on est là, viennent passer l'autre dans le pays, maman, avec papa là, pour la venir dire Ariel, comme ça que le pays n'a pas besoin de faire élection. C'est pour ça que nous te mettons. Les Haïtiens, même supposés, flanquer les gens en leçon. Flanquer les gens en leçon. Leçon pour nous bailler, hein. C'est pour nous montrer au pays et pour nous lier pas flanquer et pas foutre pour au pays aïe. Parce que vous faites m'énerver qu'on y a avec Paul dossier Haïti ça. Pour nous déplacer, lui ouais mon a mourir, ça va dire rien dans pays. Et ça fait me dire non blanc, lui même c'est pas qui bon pour lui le fait. Il va faire ça qui pas bon pour lui. Donc ma raison pour nous quitter monde ça yo, si t'as bien prendre décision pour nous.
côté parti politique, côté paquet moun ka pe de rado tim dans des et chita madame mani gabaga même boîte bon ça moi même moi yo pas de exister sur la terre parce que son colon vagabond que bon cancer que yo yé. Et puis même police kaka cochon ça excusez expression tout moun k'ap tande bon kaka chien ça yo k'ap bay Ariel et sécurité a yo méchant yo malhonnête mais y a pile quand même puis devant. Doit moi ma ay. Y a pile puis devant. C'est ça yo konn pou yo fè. Yo jwenn moyen, yo pou paye, yo pran yap. Tu yon pèp debout kon sa la dan peyi. C'est méchanceté. Est-ce que le bon ça va faire? Bon tellement senti m'énerver même voye ça m'pa ka fin faire non. PDG a malé, m'obligé quitter voye ça pour l'autre là. Encore même malé. Parce que je me sens tellement énervé matin. Passez bonne journée, bon dimanche à tous les fanatiques. Bye bye.